Alors voici une vidéo de l'arrière du foyer, en fait où il y a le stade de foot où des gens jouent à tard le soir et puis ça permet de se défouler tranquillement. Voilà, donc là en fait c'est l'endroit où où des écoliers se retrouvent aussi. On va faire tout. On va prendre un autre point de vision quand même. Parce que là, on est un peu excentré, je trouve. Il y a aussi un parc enfant qui est d'ailleurs. On va avancer juste derrière. En fait, voilà, on aperçoit le parc en fait où des enfants peuvent s'amuser lors du marché ou lors des jours où les enfants sont libres, pour pouvoir s'amuser à proximité de l'école et de la place du village. Et après, il y a le monument, je vais y emmener. Alors nous allons ouvrir les grilles, parce que le portail électrique, obligé, hein, par sécurité pour les enfants. Et là, nous voici donc le monument aux morts de Saint-Martin-le-Vinou, 4 places du village. Alors, c'est. Voilà. C'est lors de la guerre de 14-18 où il y a des gens qui ont combattu pour la France libre à ce moment-là. Voilà. Je sais pas si on peut lire. Non, ou j'aurais dû me poser. Bon, on va essayer de voilà ça pourra lire à peu près. Voilà, alors là c'est l'école 4 places du village qui est juste en face du foyer, donc voilà. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, hop, voilà. L'école Simone Veil. Voilà. C'est à Saint-Martin-le-Vinou, 4 faces du village. Et donc là, bah, voilà en fait, aux enfants de Saint-Martin-le-Vinou, morts pour la France en 1914. Bah, qui est un monument comme en fait l'Arc des Triomphes, hein, voilà, on va dire ça, ce qui est vrai, hein, bon, voilà, à côté de l'église, que j'ai fait une visite il y a quelques temps en arrière dans mes vidéos, vous retrouverez, voilà. Voilà, et donc là, voilà. Alors là, nous sommes l'autre côté de l'église, à rue du Vercors. Donc on va aller là où j'habite. Bon, j'ai pas le droit de filmer l'intérieur pour respect par rapport à la propriété privée. Voilà. C'est ce qu'il y a à côté. Hello.